Il y a notre petit pote qui dit, ouais, il faut aller à la frescale. Oh mon dieu, c'est horrible ce qu'ils ont fait, la Jim Flair. Donc j'ai pas fait les dialogues parce que c'était inintéressant. Et du coup, on a un petit message sur notre Holo Kit. Flash spécial. La prise d'otage à l'usine de Pokéball dans la proche banlieue de Romans-sous-Bois s'est terminée sans incident notable. Je peux jouer avec ça, avec la gyroscopie comme Metroid Prime Fédération Force pour ceux qui ont suivi le live. L'identité des agresseurs est toujours inconnue. Mais la direction assure que la crise n'aura aucun impact sur les ventes de Pokéball. Allez, laissez-moi maintenant. C'est toi qui donne l'ectoplasmite. Oh yeah! Ça, j'ai jamais oublié parce que bah, vous savez, j'aime bien Ectoplasma, tout ça. Donc, j'en étais sûr que c'était ici qu'on nous offrait justement l'ectoplasmite. Mais quel PNJ? Alors, je m'en rappelle plus trop par contre. En fait, j'avais pensé que c'était elle. Mais en fait, c'était pas elle. Voilà. Donc, du coup, bah, je peux toujours pas me soigner. Ça va m'embêter un peu. Ouais, je parle aucun PNJ. J'ai pas besoin, pas besoin. La route numéro 15. La route numéro 15. Ça m'emmène où tout ça? Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est une baie mépo. Je sais pas à quoi ça sert. Je crois que c'est le sommeil, la baie mépo. Ah ouais, je crois qu'il y a des dresseurs. Il y a des dresseurs ici. Ah, Miradar. Ouais, ça va, Miradar, c'est pas un gros Pokémon. Ah ouais, mais ça va m'énerver parce que tu les vois pas et du coup tu vas te faire harceler par tous les dresseurs qui sont dans cette zone. Ça va être vachement embêtant. Ouais, je sais pas. D'ailleurs, je voulais une petite question aussi à vous faire passer. Est-ce que vous allez partir à la Paris Games Week? Moi j'y serai du 25 au 31. Alors il me semble que c'est du 27 au 31, mais je viens un petit peu d'avance et tout. Parce que je vais avec l'association justement Spirit Gamer, vous savez, où j'ai les previews, les tests. Je dois toujours vous faire la vidéo et bien du SpectroPoint pour vous expliquer tout ça. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. J'ai envie de récupérer ma voix à 100%. Là, je suis à 80-90% de voix à l'heure actuelle. C'est pas glorieux hein, cet épisode parce que j'ai pas toute ma voix malheureusement, je suis pas à fond comme j'étais justement à la fin de l'épisode numéro 15 parce que j'étais plus malade et là je suis retombé malade, enfin c'est un peu la merde quoi. D'ailleurs je vous ai fait Paper Mario Color Splash et j'ai l'impression que bah en fait vous en foutez limite, c'est un peu dommage. C'est un très bon jeu que je vous recommande pourtant et personne regarde, enfin c'est un peu dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc du coup, est-ce que vous partez à la Paris Games Week? Pour moi, c'est hyper important de le savoir. Je sais via Twitter, vous me l'avez déjà dit, certaines. Mais après, pour parler vraiment de la globalité des personnes justement qui me suivent, pour savoir ben, si vous partez à la Paris Games Week, quoi. Ça, on pourra se voir. Est-ce que ça va le tuer? Ah non. Ah mais j'ai fait un coup critique. Voilà. Ben, je fais un plaquage. Voilà. Je suis un petit peu énervé. Absorbo, merci. Et c'est pas moi qui me rejette, hein. C'est lui qui me rejette. Donc automatiquement, ben voilà, c'est pas moi qui me soigne. Merci, Poséan, c'est vraiment gentil de ta part. Vas-y, attaque encore avec une attaque haut. Ah, dommage. De toute façon, ça fait pas de dégâts. Voilà. Tant pis. Elles sont presque au niveau 40 quand même. Oh le bâtard, il a point poison. Oh non. Est-ce que... Aïe aïe aïe, j'ai pas pensé à ça! Je peux pas me soigner! Est-ce que je résiste à un HP comme la 4G ou est-ce que mon Pokémon va crever dans d'affreuses souffrances? Ah ça je sais pas. Ça je sais pas! Ah c'est pas bon ça, c'est pas bon. Est-ce que je peux aller dans l'eau? Bien sûr je peux aller dans l'eau, attends. J'ai le badge pour. Et j'ai la CS. Bon, je dois aller où là? C'est quoi un dresseur? Ah non, PP plus. Ah non, c'est un objet. J'avais pas fait attention. En même temps, qui pourrait savoir, à part s'il connaît le jeu par cœur? Ouais, un genre que je chasse ici, ça a l'air vachement cool de pêcher ici. Du shiny. Attends, il y a un pont, ça doit être, je dois aller ici. Ah, il doit y avoir des dresseurs ici, ouais. Ah oui, attends, mais là, je peux pas y aller, attends. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, il faut Clatroc force. Ah, je sais plus. Je sais plus c'était quoi comme c'est. Je crois que c'est Clatroc. Waouh, un Scalpion. J'aurais bien aimé l'avoir celui-là.
Scalpron, Scalproie, très bon Pokémon. Il évolue dans très longtemps en fait en Scalproie. Je sais plus le niveau, mais je crois que c'est la quarantaine. Ok, bah attends, je vais passer par là vite fait. Et je vais pas les affronter. Et voilà, bitch! Ah non, encore un message de Lockit. Qu'est-ce qu'ils veulent? Oh, qu'est-ce que tu veux, toi? D'après les recherches du professeur Platane, il semblerait que les méga évolutions permettent aux Pokémon de libérer temporairement une extrême quantité d'énergie qu'ils convertissent pour accroître leur puissance à un niveau impossible à atteindre dans le cadre d'une évolution normale. Tous les hommes et tous les Pokémon possèdent-ils une telle puissance cachée? Mais est-elle réservée à quelques élus? À ton avis, qui peut bien vouloir dire tout cela? Peut-être que toi. Peut-être toi. On ne sait pas. Bon. On va pas y aller là. Non! Oh non! La petite fillette, elle veut faire un combat. Elle est sérieuse. Elle a combien? Deux Pokémon. Oh, Deden. Deden, Deden. D'ailleurs, Nono qui m'a battu sur Gaming Live. Très choqué, déçu. Très choqué, déçu dans la mesure où j'étais pas vraiment moi-même, faut l'avouer. J'étais en mode vraiment très fatigué, j'en pouvais plus. D'ailleurs, j'ai pas fini mon live. Normalement, c'était 15h, 19h sur Gaming Live tous les jeudis. D'ailleurs, je vous invite à venir en tout cas tous les jeudis de 15h à 19h, c'est dans la description pour accéder au live. Et je fais même une vidéo annonce, etc. Donc venez si vous voulez faire des combats avec moi. Exceptionnellement, j'avais arrêté mon live à 16h30 parce que j'étais vraiment KO. J'étais vraiment foutu. Foutu de la vie. Je ne pouvais même plus bouger. J'avais mal partout. Je sais pas, j'avais des courbatures de partout. Je sais pas ce qui se passe. Je me fais pas vieux, attention. Hein. C'est juste que j'allais pas bien avec la maladie, tout ça. Donc, ben, j'avais arrêté mon live. Donc, désolé à ceux que j'ai pas combattu. Vous inquiétez pas, jeudi, je serai normalement au meilleur de ma forme. Donc là, on arrive à la ville qui est la Frescale. La Frescale qui nous réserve un nouveau Pokémon parce qu'on va perdre eh bien, le Ramboum. Ça faisait longtemps. Ah oui, tu m'étonnes. Moi aussi, quand j'avais ton âge, j'ai visité beaucoup de régions, rencontré beaucoup de Pokémon, goûté à beaucoup de choses. Tu me donnes faim, j'ai pas mangé. Ah, ma route gastronomique. Arrête, tu me donnes faim. C'est pour ça que je connais les cafés de Kalos par cœur. J'ai aussi soif. Fais pas le con. Professeur! Oh Dexio, j'étais en train d'amener astucieusement, mais non, mais je savais le dire ce mot, astucieusement, mon sujet. Te souviens-tu du Pokémon que Monsieur Lissande a mentionné dans le café? Oui. C'était Xerneas. Eh, tu ne savais pas, bah maintenant tu le sais. D'après les annales, tous ceux qui ont croisé sa route ont rapidement succombé à son immense pouvoir. La seule chose qu'on en sait, c'est que son apparence rappelle la lettre X. On aime les X sur Gaming Live. C'est un Pokémon qui semble capable de manipuler l'énergie. En distribuant sa force vitale, il permet aux plantes et aux Pokémon de croître, dis donc. Je suis curieux de savoir où un Pokémon pareil peut bien se trouver maintenant. Lorsque les Pokémon légendaires de Kalos perdent leur vitalité, ils sombrent dans un profond sommeil en un lieu inconnu, sans laisser de traces. Alors, j'ai une petite question aussi, maintenant j'aime beaucoup vous poser de questions aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est les mêmes dialogues que Y lors de cette conversation-là? Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire, ça serait cool. Les annales dont je parlais sont vieilles d'un millénaire. Si seulement l'un ou l'une d'entre eux, vous pouvez retrouver ce Pokémon. Bah, peut-être que moi, hein, attends. Ok, ça marche. Donc c'est pas maintenant Oh, mais qu'est-ce qu'il veut encore lui? Ouais, il est parti, il va le chercher. On doit aller à la caverne gelée. Alors attends, caverne gelée, est-ce que c'est une nouvelle route? Alors déjà, on va faire l'échange miracle dans cet épisode. Oui! Ah, j'adore faire ça. Je pourrais le faire une éternité, mais bon, on va pas le faire pendant toute la durée de l'épisode, faut pas déconner. Donc la caverne gelée. D'ailleurs, cet endroit, mais est tout simplement splendide. Est-ce que je... Tu me laisses passer? Ouais, tu me laisses passer. T'es gentil, toi. Ah, mais faut cascade pour aller choper l'objet. C'est bon, il m'a pas vu. Il voit pas clair, ça va. Attends, est-ce qu'il y a un objet ici ou pas? Ah, je peux pas aller là? Mais c'est complètement con. Ah, je peux pas. Ah ouais, je peux pas aller. D'accord. Non, tant pis. Ah, et cet endroit est relativement stylé. Vous allez voir. Alors, c'est plutôt en soirée en fait. C'est plutôt en soirée où on a l'espèce d'aurore super stylée.
Dis-moi, dresseur, tu n'irais pas du côté de la caverne gelée par hasard? Si, si, je vais y aller. C'est que d'habitude, ma mochon fait traverser la route 17 aux gens. Mais récemment, il a l'air perturbé par la caverne gelée. Les mamochons sont des Pokémon qui raffolent des grands froids. Peut-être a-t-il senti que quelque chose n'allait pas dans la caverne gelée. Qui es-tu? Ah, c'est un mec qui sert à rien, donc on passe le dialogue. Mais je comprends! Ça explique pourquoi vous allez du côté de la caverne gelée. Mais faites attention, si mamochon est inquiet, c'est que c'est peut-être dangereux. Ouais, on s'en fout ce que tu dis, Trovato. Regardez-moi comment c'est stylé. Et en soirée, eh bien c'est encore plus stylé. On voit de l'aurore en fait. Avec tout un ciel violet en fait. Violet bleu. Et c'est vachement vachement stylé. À tous, c'est Spectrolo. Tu sais, c'est les youtubeurs qui changent de vêtements vraiment très rapidement. Non, mais je suis au deuxième jour de tournage, mais pas au même jour que vous pensez, mais c'est en semaine carrément. Et j'ai eu. Oh! What? 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 Sérieux? Yes! Un petit Farampe, peut-être un petit Farampe, je dis pas non. On va regarder ses stats. Ah, on va regarder ses stats direct. Attends, c'est quoi ce délire? Ah, il est niveau... Ah! Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça a pas l'air d'être ouf. Bah, il a pas d'attaque en fait pour le moment, mais c'est pas grave. On va faire avec. Ok, bah franchement, ça c'est cool. Mais je pense l'intégrer dans ma team. Ouais, je pense l'intégrer dans ma team. Parce qu'il peut être vraiment très intéressant de type électrique. Donc, ça c'est vraiment, vraiment très, très cool. Mais par contre, je ne pense pas l'XP dans cet épisode. Hein, je vous le dis, je pense pas l'XP. J'ai capturé un Troupignon, je crois que ça s'appelle comme ça, un champignon Pokémon 5G. Je l'ai capturé, donc si on arrive donc à la prochaine ville, on pourra faire un échange miracle, etc. Comme ça, on perd pas plus de temps. Petite information aussi à évoquer, il faut savoir que, comme j'ai dit, je tourne donc un jour différent, mais ça sera le même épisode pour vous. Donc à savoir, donc en deux parties, au final, même si ça sera condensé, etc. Oh les poutous! Oh là 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 là, il est niveau 39 le bordel hein. Oh, c'est quoi ça? Ah oui, attends, attends, attends. Non, 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 on prend Manizone parce que c'est un Pokémon glace, les oiseaux ils aiment pas trop. Non, mais qu'est-ce que tu veux toi? Non. Oh, Exagide! Sérieusement? Ah non, Dimoclès, excusez-moi, je me suis trompé. Mais je vais faire tonnerre. Ça tue pas hein. Ah ça tue pas hein. Il fait quoi? Il fait danse lame? Non il fait pas danse lame. Oh il est mort. Il est mort, il est mort. Bam! Je testais un truc parce que j'avais l'impression que c'était un peu flou. Là j'avais mis la 3D je crois. D'accord. Ou alors parce que c'est la glace et du coup. Ah mais c'est ça en fait! Ah ouais d'accord, j'ai compris que c'était hyper flou, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire et tout. Mais en fait c'est tout à fait normal. Ah ouais, ok. Putain, le mec il se réveille de tension, c'est. Non en fait j'étais en train de faire le montage de Pokémon version X. Et donc pour pas que l'épisode soit trop long pour l'épisode numéro 16, je l'ai fait en plusieurs parties, vous voyez. Et ce qui s'est passé, c'est que bah là il n'y a pas de Pokémon. Ah bah si, il y a un objet caché en fait, d'accord. Et vu que j'ai vu que ça faisait un peu trop long, je me suis dit on va le réserver pour un prochain épisode. Et j'avais pensé que ça ferait le coup en fait au final. Mais non. Bah non, bah maintenant je tourne la suite. Par contre, je ne sais plus vraiment ce que c'est cette caverne gelée, je vous avoue. Donc, je sais plus ce qu'il y a. Je sais qu'il y a des dresseurs, ça, je suis sûr, mais au final, qu'est-ce qu'il y a là-bas, au final, je sais pas. Je sais pas du tout. Attends, mais je dois aller là ou pas? Oh non, encore des dresseurs. Mais il y a combien de dresseurs dans cette zone? Mais en fait, je dois faire quoi en fait? Je dois faire quoi? Ah, oh, j'ai pas écouté. Ah, oh, c'est de ma faute. Oh là 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 là. Je switch, hein. Donc à savoir, comme j'ai dit, je ne peux pas, eh bien, me soigner pendant toute la durée de cet épisode parce que bah, la première partie c'était ne pas soigner, donc cette fois-ci bah, c'est pareil. Comme ça, on fait pas de la merde, tu vois. On respecte la règle jusqu'à la fin. Quitte à mourir dans l'épisode, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Vous voulez du challenge? Voilà. Il y a quelqu'un qui veut me rejoindre?
Hunter X Hunter. Hein, qu'est-ce qu'il raconte lui sur Twitter? Ouais, parce que je reçois les tweets en même temps en fait. Pendant l'épisode, c'est marrant. Je sais pas pourquoi, mais. J'ai dû installer un macro ou un widget, je sais pas. Une extension, un truc comme ça. Je suis plus rapide que lui de toute façon. Ah ouais, mais attends, faut pas faire le fou, Thierry, parce que après, bah, il est midlife et tu peux plus soigner, donc faire attention quand même. Il donne pas mal d'XP, ça c'est cool. Shaofwin. Ah, Shaofwin. Shaofwin, c'est pas garanti, hein. Je résiste ou pas? Enfin, il résiste? Ah, mais il est... Oh non! Oh le bâtard! No cet enfer! Mon ami? Que s'est-il passé? Je t'aimais? Je t'aimais beaucoup? Mais je t'aimais vraiment! Ah là là! Wow, c'est quoi ces Pokémon là? Non, ne meurs pas! Oh, il meurt pas! Oh putain! Mais je vais mourir! Et c'est quoi ce délire? Je suis un peu dans la merde là. Oh merde! Wow! Mais c'est abusé! Je peux pas me soigner! Non! Je peux pas me soigner! Ça serait pas à la fin de la série quand même! Oh, c'est la merde! Attends, je vais regarder sur internet si ça fait plus de dégâts sur tonnerre ou lumino-canon. Non mais sérieux, je suis dans la merde là. Oh merde. Comment il s'appelle les chats au fluide? Oh putain, non! T'es pas sérieux? Mais non! Attends. Est-ce qu'on peut réussir à le tuer? Putain, mais quelle idée d'avoir dit, ouais, en fait, on va respecter la règle pour pas se soigner! Sérieux. Alors l'électrique. Ouais, mais attends, on va continuer sur le stab, non? On va essayer le stab. Ouais, mais. Et il est où mon stylet? Oh, j'ai perdu mon stylet. Je l'ai mangé ou quoi? Ah, il a... Ah ouais, non mais là... Oh, c'est la merde. Oh, c'est la merde! Quoi, il est plus rapide? Oh non! Oh merde! Oh mais merde, c'est sérieux là? Oh lolo, c'est quoi ça? C'est pas la fin là? Si? Oh non, j'ai plus de pépé, putain, non! 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 Tu le? Putain, sérieux? Il lui reste combien de Pokémon? Ouais, tu montes niveau 46, c'est génial, Eric. Oh putain! Mais je peux pas continuer l'épisode! Mais je peux pas continuer l'épisode! Oh aïe. Je peux pas continuer l'épisode là! Il est niveau 1! Mais j'ai plus d'autres Pokémon! Ah putain, c'est par où? C'est là? Non! Eh, hey, t'as pas un dresseur qui me soigne? Putain, Roche-Glace, on s'en fout de ça, c'est nul, c'est nul! Ah mais je suis dans la merde là. Mais j'ai perdu le challenge là. Hein. Là, il est paralysé, donc il est moins rapide. L'autre, il est empoisonné, s'il one-shot pas, et encore, s'il one-shot, ben, tour suivant, il meurt. Oh là 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 là! Quelle idée! Casse-toi, toi! Mais non, c'est de la merde! Je vais mourir. Oui, je vais mourir. Please, tu me vois pas. Oh, tu me vois pas. Ah, oh, tu me vois pas. Est-ce que c'est par là? Ah, oh, c'est par là. Attends. Attends, mais... Oh là là, mais j'ai plus rien, j'ai plus rien. Ils sont tous morts.
J'ai pas de Pokémon. Ouais, on a un nouveau Pokémon et tout. Non! C'est bon. Oh non, quoi? Il y a la Team Flare ici? Oh, j'ai oublié, non! Qu'est-ce que tu veux, toi? Dégage! Ah, le blanc bizarroi que voilà, il déborde d'énergie. Ah, parce qu'on lui inflige du stimuli stressant, plus son talent alerte neige devient incontrôlable. Vive le vent d'hiver. Bon, là, c'est perdu de temps. Capturez-le. Blé! J'ai pas affronté trois personnes. Eh, Trovato, tu veux m'aider? Soigne mes Pokémon un peu. C'est une question de vie ou de mort pour le Nuzlocke, là. Hein. Je pense que c'est évident, non? Nous capturons des Pokémon, nous n'allions pas faire des confitures de nos stocks de Pokéball. En particulier ce charmant spécimen de Blizzaroi retient toute mon attention. Il regorge d'énergie. Ce sont toujours ceux qui ont le plus qui gagnent. Le monde m'appartient en possédant. Les pauvres ne font rien de leur vie à part réclamer, se plaindre et réclamer encore. Je ne comprends toujours pas ce que la Team Flare compte faire, ce qu'elle accumule. Et franchement, si t'es gentil avec moi, tu peux me soigner et ça serait génial. À quoi vont servir ces monopoles? Bon, puisqu'il faut vraiment te faire un dessin et rester les seuls survivants de ce monde, à quoi bon vouloir sauver les gens du commun? Ceci étant dit, même si j'apprécie les séances de questions, nous ne sommes pas en séminaire et nous allons devoir vous arrêter maintenant. Il va rester les seuls survivants de ce monde. Et soigne-moi! Oh là là, oh là là. Non, 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 non! Non! Il ne me soigne pas! Oh non, il a deux Pokémon, je suis obligé de... Oh, je suis obligé de mourir là. Looklass, il est pas plus rapide qu'un Sferalto. Oh non! Pas possible! Oh non, mais c'est quoi cette grotte? Oh là là! What what? Ben, j'avais pensé que j'allais peut-être t'entraîner, mais en fait, non. Hein? Attaque-moi alors! Je peux pas me soigner! Imagine, il fait des charges à l'infini, après il remporte le combat, tu sais, ça serait génial. Oh, il miss! Non mais tu crois vraiment que je vais gagner le match? C'est mort là! Non! J'ai pas d'autres Pokémon! Oh merde! Oh, c'est la merde! Ah putain, je t'aimais, Ariyama Shiny. Est-ce que... Ah, c'est mort. Ah, c'est mort. Ah, ça fait pas de dégâts. Non, il est paralysé, mais genre... Non! Ah, j'ai perdu! Oh merde! La loose! Oh la loose! Mais oui, mais... Mais vous avez dit qu'il fallait pas que je me soigne, sinon j'aurais pu aller jusqu'à la ligue, peut-être, on ne sait pas. Ah, oh, j'ai perdu. Oh là là! Ben, pour vous dire que... Mais j'ai bien aimé créer ce challenge. J'ai bien aimé créer ce challenge avec vous. C'était vraiment cool. Une histoire inédite, très intéressante, remplie de rebondissements, de joie, de peine et de tristesse. Et c'est ainsi que ce let's play, ben, se termine, malheureusement, parce que... Il fallait pas se soigner dans cet épisode. C'est tragique, hein. Bon, là, les Pokémon sont en vie, hein, attention, hein, mais ils sont morts, hein, concrètement. Et j'ai pas d'autres Pokémon dans mon PC. À part, justement, j'ai capturé le Pokémon, mais là, ça serait vraiment n'importe quoi, et ça serait triché, donc... Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi la série, hein, Pokémon X Nuzlocke Miracle. Un jour, on se vengera. Et on fera peut-être un autre Nuzlocke Miracle sur un autre jeu, je sais pas. Mais j'aimerais bien me venger. La revanche, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce let's play est malheureusement terminé. Merci de l'avoir suivi, en tout cas, s'il vous a plu. Bombardez de likes, en tout cas, sur cette fin de série.
Plus que tous les épisodes réunis, en tout cas, ça serait un très beau cadeau pour moi, justement, que vous avez apprécié ce challenge, tout simplement. Et quant à moi, on se retrouve pour la démo de Soleil Lune qui arrive donc le 18 octobre. Donc ne vous inquiétez pas, je ferai des vidéos dessus. Le let's play de Pokémon Soleil Lune, tout ça, tu connais les bails. Ça va arriver sur la chaîne. D'autres let's play sont en cours, donc n'hésite pas en tout cas, et eh bien si tu veux regarder d'autres let's play, suivre mes lives, me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, pour être tenu au courant des prochaines annonces de live vidéo, etc. Ma vie trépidante, etc. Merci à tous et on se retrouvera pour de prochaines vidéos, prochain live. Game over.